Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Vous savez, nous avons été interdits trois fois ici. Et alors, donc, la police ne nous veut pas ici. Mais le colonel a été signé la déclaration, accompagné de Maître Mainviel, ce qui était tout à fait prudent et sage. Et mon Dieu, il y a eu un constinabule assez long. Et finalement, voilà, nous ne sommes pas interdits, nous pouvons rester 2 heures. Et nous recommençons au même endroit, le 7 mars, si tout va bien, si nous ne sommes pas interdits. Nous avons été interdits 3 fois déjà ici. Alors, une petite chose sur Port-Royal, qui du temps de la Révolution française s'appelait Port-Libre. C'est assez curieux. C'est un ancien couvent, comme vous savez, mais c'est peut-être l'endroit, je n'ai pas certitude, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus d'avortements à Paris, probablement. Parce qu'il a hérité des 2500 avortements, le connaît son chiffre, enfin qui nous a été dit, 2500 avortements par an à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul a fermé en septembre 2011, ça s'est reporté en tout cas en partie, en face, à Bodloc. Et donc on peut penser, comme il y avait déjà des avortements à Bodloc, qu'il y a peut-être une accumulation. Mais je n'ai pas de certitude. Je vais vous dire une chose assez drôle, étonnante. Les gens sont très généreux. J'ai eu un procès donc, déjà depuis un certain temps et vraiment nous recevons, enfin je reçois des témoignages merveilleux et des dons extraordinaires. Enfin, je ne sais comment remercier toutes ces personnes si attentives. Alors une chose quand même très amusante, c'était le 5 octobre. Nous étions, il y avait un grand monde, un défilé qui allait de Port-Dauphine à Montparnasse. Nous étions dans le cortège, ou plutôt hors du cortège, à Dubosquet. On priait en périphérie, comme nous prions maintenant. Et un homme arrive et il me dit « Monsieur, je voudrais vous remettre une enveloppe. » Et je vois une grosse enveloppe. Et je voulais la remettre à l'aide en détresse, à l'église de l'aide en détresse. Et là, je n'ai pas trouvé. Écoutez, je suis très heureux de vous le remettre. Et c'était une très grosse enveloppe. J'avoue que c'était très étonnant. Il m'a dit, monsieur, il y a 5000 euros. Enfin, je vous livre le secret. 5000 euros en billets, c'est merveilleux. Alors, je ne sais comment le remercier. Bon. Et rentrer à la maison, c'était un dimanche, non ? Je ne peux pas aller à la banque avant mardi. Je compte mes billets. Il y a le compte, vous pensez bien, 50 billets, magnifique. Et je me suis dit, oh, sur la quantité, je vais en distraire un. Après tout, ce n'est pas mortel. Je connais une personne qui avait 2 avortements, qui vit dans grande difficulté. Ça va bien arriver. Et effectivement, j'ai mis ça dans une enveloppe, c'est bien arrivé. Mais alors, le lendemain, je me présente à la banque en disant, voilà, je vous apporte 49 billets de 100 euros. Alors, elle compte devant moi, la personne, et effectivement, monsieur, c'est 49. Elle signe, et je signe aussi, et juste avant de partir, elle me dit, oh, monsieur, la machine a compté 50. Alors, je ne sais jamais, je ne sais toujours pas d'où vient ce fameux billet, vous voyez. Gloria, Pane et Filio, Espiritus Sancto. Enfin, nous avons affaire à des gens tellement généreux, encore une fois, que je remercie profondément. Voilà, nous sommes, je ne vous l'apprends pas évidemment, dans des événements graves. Il y a eu donc cet attentat avec Charlie. Et il se trouve que nous avons un lien avec Charlie. Ah, vous me direz, monsieur, attention. Oui, mais un lien particulier. C'est-à-dire qu'ils avaient caricaturé, ils ont caricaturé à 2 reprises, de façon ignoble, c'est-à-dire pas à notre égard, ça n'a pas beaucoup d'importance, relatant pas les propos qui ont été antichrétiens, qui ont été formulés, les dessins et tout ça. Bon. Et donc, à 2 reprises, le 16 novembre 1994 et le 17 mai, 1995. Voilà. Nous paraissons sur Charlie Hebdo et vous voyez dans quel esprit. Donc il y a des ténèbres dans l'islam, c'est certain. Il y en a, vous le savez comme moi, dans les fameuses valeurs de la République, qui sont en fait des contre-valeurs sur bien des sujets, et notamment celui de la liberté. Liberté, liberté, elle est tellement folle, cette liberté, elle n'a pas de limite. Et elle est aussi, vous le savez, totalitaire. C'est très curieux, le libertaire et le vôtre ensemble, et le totalitaire. Vous connaissez la formule de Saint-Just, l'ami de Robespierre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc, nous, je dirais, c'est tout juste si nous sommes là. On a été interdit 3 fois, vous vous souvenez. Je pense qu'il ne s'agit pas de valeurs de la République, mais de contre-valeurs. Et c'est une invitation au nihilisme, à la négation de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel.
nous sommes engagés dans cette voie épouvantable. Nous avons été sept fois devant, pas très loin, enfin en tout cas du Grand Orient, que finalement ce sont eux qui dirigent le pays. Ces fameuses laïcités, c'est un leurre complet. Si vous êtes abonné à notre petite revue, vous verrez que je parle aussi de l'Église. Que fait l'Église? Est-ce qu'elle dénonce? Est-ce qu'elle parle? Vous savez comme moi, que, à part quelques exceptions évidemment, mais il y a un silence, je dirais, éprouvant, impressionnant. Et mon Dieu, eux qui parlent de laïcité, ils pourraient voir que celle-là est criminelle, puisqu'elle permet d'éliminer les plus petits sans défense. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je voulais vous informer que M. l'abbé Bonvet, l'ancien curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, comparaîtra à la 17e chambre correctionnelle de Paris. Il est poursuivi par le MRAP pour avoir dit lors d'une manifestation le 20 octobre 2014 « Il y a bon Banania, il n'y a pas bon Taubira ». Donc il n'est plus à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, mais si on peut prier pour lui et si certaines ou certains sont disponibles ce jour-là, allez l'encourager au tribunal correctionnel.